m'appelle Pierre Hourticq et je fais partie du team Scott Frisky avec Clémentine. On vit tous les deux à Chamonix et aujourd'hui ça va faire maintenant un an que je me suis cassé les ligaments croisés du genou. Opération, rééducation, j'ai maintenant le feu vert pour recommencer les activités hivernales. Même si c'est une blessure classique chez les skieurs, la rééducation est longue et pénible. L'impact sur le moral est lourd et les doutes que ça engendre sont énormes. Le ski m'a tellement manqué que même si les conditions de neige ne sont pas optimales et que les pistes sont encore fermées, bah tu trouves n'importe quel moyen pour retourner là-haut. C'est toujours excitant quand tu vois les premières neiges arriver et c'est vrai que ça donne vraiment envie. En fait, on veut tout de suite en profiter avant que les stations de ski ouvrent et qu'en fait, on se retrouve dans la cohue de l'hiver. Le ski, avec Pierre, c'est toujours quelque chose qui nous a liés et je pense qu'il est vraiment important de reprendre calmement. On a de la chance de pouvoir partir de la maison en vélo. On traverse le village et on se retrouve directement sur les sentiers battus et les pistes enneigées. C'est sûr que l'assistance électrique, ça me rassure. Et j'arrive à trouver la motivation pour faire l'approche en vélo. C'est très cool de combiner deux pratiques. Tu essayes de monter le plus haut possible en vélo et dès que tu trouves suffisamment de neige, tu passes en mode rando et en fait, tu te prends pas la tête. Une simple randonnée comme celle d'aujourd'hui peut paraître banale, mais après des mois de frustration, je profite différemment de ces journées. Du coup, ça me permet de me remettre en bonne condition physique avant l'ouverture et avant les grosses chutes de neige, et je reprends confiance en moi tout doucement. Regarde-moi, Loul. Ça va être trop bien. Partager ces moments avec Pierre, ça me permet de l'accompagner dans son retour sur ses skis. Oh, on va aller marcher en plein sur l'arête, là, ça va être trop cool. Tu vas voir. Ah, c'est trop beau là. Hein, Mimoun ? C'est ces moments qui définissent sa personnalité. Et même si c'est à lui de terminer tout seul le chemin pour retrouver son niveau, je sais que quand il arrivera au bout, sa joie sera immense et je pourrai enfin retrouver son grand sourire. Cool.